Dès le mois de mars, notre village va connaître un profond bouleversement. Après la décision prise par celui qui l'a dirigé pendant plus de 40 ans de se retirer de la vie politique. Je laisserai à d'autres le soin de porter dès à présent des jugements, parfois durs, discutables, sur les actions menées. Pour ma part, et si je me fie à l'histoire, je me contenterai d'attendre. Et croyez-moi, le temps portera son lot de preuves sur le fait que certains hommes laissent plus de traces que d'autres sur leur passage. J'ai pour habitude aussi, et par expérience peut-être, le sentiment profond qu'il est plus facile de construire sur les épaules de ceux qui nous ont précédés plutôt que de vouloir, comme d'aucuns le suggèrent aujourd'hui, tout changer, tout effacer ou tout refaire. Je ne pourrai pas vous exposer notre programme sans vous dire ce qui nous a animés durant ces 2 années de travail intensif afin que je puisse vous présenter ce programme. Il me vient des mots simples, mais quels mots ? Collectif, équipe, bienveillance, curiosité, échange, communication. Ces mots m'ont non seulement permis de rencontrer des gens formidables, mais aussi de mettre en place avec eux une formidable machine à consulter les citoyens sur notre commune. Je le rappelle, car en ces temps de campagne, certains voudraient faire croire qu'en surfant sur la dernière vague, on peut prétendre à une légitimité en matière de démocratie participative, entre autres. Permettez-moi de vous donner un seul chiffre. 26. 26 réunions publiques durant ces 2 années auxquelles ont été conviés les habitants de Velot pour échanger autour de différentes thématiques. Ce programme, je pense sincèrement qu'il est le vôtre, car pour tous ceux d'entre vous qui l'ont désiré, vous en avez été les acteurs. Vous l'aurez peut-être remarqué, c'est une équipe complète de femmes et d'hommes qui vont se présenter à vous. Et si j'ai pu les réunir aussitôt dans cette campagne, c'est tout simplement parce qu'ils ont participé, pour la plupart d'entre eux, ensemble et suffisamment en amont, à ce travail collectif dont je vous parlais, dans une ambiance sérieuse, mais très amicale. Ce programme, il a une très grande valeur pour nous tous, parce qu'il est le résultat palpable d'une addition essentielle à mes yeux, celle des intelligences, de la diversité et des individus que nous sommes tous, ici, ensemble, à Velot et pour Velot.